Quand j'appelle quelqu'un à partir de mon téléphone GSM, est-ce que le terminal émet un signal et s'arrête dès qu'il reçoit une réponse de la station de base? C'est-à-dire qu'il émet le signal en permanence et il continue tant qu'il n'a pas de réponse? Ou est-ce qu'il émet un burst sur le slot qui lui est réservé de façon permanente, la réservation étant permanente? Est-ce qu'il émet un burst sur le slot 0 d'une trame TDMA choisie au hasard? Ou est-ce qu'il émet un burst sur un slot choisi au hasard? Cette étape de transmission, on l'appelle l'accès initial. Après l'accès initial, est-ce que le réseau alloue un canal dédié à faible débit pour la suite des échanges? Est-ce que le réseau demande au terminal sur quel canal il veut transmettre? Ou est-ce que les échanges se poursuivent systématiquement sur le slot 0?